Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Winshape et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant toute chose, là on est mieux. La Team Shape, si on est ici présent, c'est pour faire ensemble un entraînement fessier à faire à la maison pendant 10 minutes sans matériel. Je vous propose alors qu'on perde pas de temps et c'est parti pour l'entraînement. Go! C'est parti, je prépare mon petit chronomètre. Le chronomètre est en marche. On va commencer par du squat. C'est parti. Position squat. On prend son temps, on n'est pas pressé. Le but, c'est de faire 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération. C'est un entraînement sous forme de Tabata. On souffle bien, plus que 9 secondes. Voilà. On passe un bon moment ensemble. Je sais que vous adorez. On souffle bien. On récupère. 10 secondes de récupération. On va faire des fentes sur le côté. Je vous dirai quand on change de jambe. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Fente, on regarde devant, on regarde devant soi. Devant. Donc on regarde devant soi. Et là, on vient serrer les fesses. Puisque l'entraînement d'aujourd'hui, c'est sur les fessiers. On se concentre dessus. On doit taper aussi dans le quadriceps. On souffle. Ok, 10 secondes de récup, on change de jambe. Vous noterez les jambes. Le nouveau tapis Team Shape, juste là. Putain, merde. Regarde, chez la bourre, chez la bourre, chez la bourre. Ok. Voilà. Là, vous savez travailler là. Ce travail là. Pour les petites qui vont voir la vidéo, vous serez prêtes pour l'été. Prêtes pour le summer body. On souffle bien. 8, 7, 6, 5, 4. 10 secondes de récup. On va continuer avec squat sur le côté. Vous allez voir, c'est sympa. Ok. Position squat. Et sur le côté, comme ça. Vous faites des petits pas. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas, vous restez en tension. Ça bute les jambes, ça fait de malade. Voilà. Vous sentez ça brûle un peu là? Vous sentez pas que ça brûle, non? Et bien on va le faire une deuxième fois. Vous êtes prêts? 5 secondes de récup. Profitez-en, ça va pas durer longtemps. Ok, c'est parti. Je remets en position. Voilà, des petits pas de crabe là, comme ça. Voilà, allez. Ça tape bien dans les ischios, bien dans les fessiers. Ça tape partout de toute façon, ce truc. Ouf. On récupère, on souffle. On va passer en donkey kicks. J'ai pris mes notes juste là. Donc là. On va faire cet exercice là, les gens. Bon, je le reconnais, je le reconnais. C'est pas un exo très viril, mais il est efficace. Alors on va le faire. On souffle bien. Quand vous êtes en haut là, ah, vous serrez bien votre petit cul. Là. On avait dit pas d'insultes. Voilà. Vous êtes prêts, on va faire l'autre côté. 6 secondes de récup. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. On souffle. Allez. Voilà. C'est bien. Allez, je veux vous transpirer. Je veux vous transpirer à travers l'écran. Je veux sentir vos gouttes de transpi sur moi à travers l'écran. Je sais pas si c'est possible, mais j'y crois. On souffle bien. On dit des conneries, mais on travaille. On souffle bien. On va faire sensiblement le même exercice. Vous allez vous mettre comme ceci, allongé. C'est bien allongé, n'est-ce pas? Et voilà. Et je vais faire celui-là. Voilà. Le même qu'on vient de faire. Oh. Mais allongé. Et là, ça va taper un peu dans les fessiers. Vous allez le sentir directement. On souffle bien. Putain, j'ai des courbatures au cul moi demain. Allez. Ok, récupération, on va faire le jump. On est bien allongé, n'est-ce pas? Vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Profitez. 2, 1, allez go. Le jump. Allez. Team Shape, je crois en vous. Je veux que la prochaine fois qu'on se voit, vous ayez des fessiers énormes et secs. Allez, on souffle bien et on envoie le cul. Ok, on récupère, on va se mettre sur le dos. On va faire le pont. Le pont, mais qu'est-ce que le pont? Vous allez le voir très vite. Comme ceci. Et là, comme ça. Là. Et là, vous serrez le cul.
Là, tu travailles bien. Tu travailles comme il faut là. Ah, vous sentez la douleur là. Faut kiffer la douleur. Allez, on prend du plaisir ensemble. Allez, on pose, on récupère. On va faire pareil, mais avec une seule jambe. Faire comme ça. Vous allez voir. Comme ça, vous êtes prêts. Allez, une jambe après l'autre. Allez, vous serrez bien le cul en haut là. Ah, je compte sur vous. En plus, ça travaille bien les cuisses aussi. Ah, oh, putain, il pique celui-là. Oh. Allez, on a fait la moitié. Ouais, je sais. Allez, allez. On souffle bien. Allez, on regarde en face de soi, on regarde devant soi et on imagine son futur boule. Voilà. Je rigole même pas les gens, vous savez, c'est vachement important de visualiser ses résultats prochains. Allez, on se remet en squat. Comme ceci de côté. Voilà. Et quand vous remontez, vous serrez là. Vous serrez vos pêches. Allez, on souffle bien. Voilà. C'est bien, ça travaille. Pause. On va se refaire un peu de fente. Est-ce qu'on fait les mêmes que tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, on va faire des fentes différentes. Comme ça, et là vous remontez. Comme ceci, et vous remontez. Comme ceci, c'est un peu casse-gueule, mais vous allez y arriver. C'est un peu casse-gueule et vous pouvez le faire. On va récupérer, on va faire l'autre jambe. Allez, on rigole plus là, fini les conneries. Position. Soufflez bien. C'est important de respirer. Restez pas à l'apnée. Buvez un coup pendant le repos. Allez, on vient taper le genou avec sa main. Allez, on se fait un peu de squat sur le côté. Allez, courage, c'est bientôt fini. Vous le mériterez, votre cul. Allez, squat, penché. Petit pas, petit pas, petit pas. Allez, on souffle bien. On fait plus les malins là. On n'est plus là pour rigoler les gens. On est là pour vous aider des résultats. On récupère. On va le faire une deuxième fois. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Juste parce que je kiffe. Allez, parti. Allez, je crois en vous. Allez, courage. Ça arrête d'aller trop vite, hein. Faut sentir qu'on a le cul raté là. Faut que vous puissiez casser un kiwi avec votre cul là. Hop, on récupère. On va passer en... Qu'est-ce que j'ai mis? Donkey kicks, comme tout à l'heure. Comme ça, et là. Voilà. Allez, vous l'aimez celui-là. Vous en redemandiez? Eh bien le voici. Pour vous servir. Le donkey kick, alors ça veut dire le coup de pied de l'âne. Comme quoi, on peut faire de la muscu. Je disais, comme quoi on peut faire de la muscu et apprendre l'anglais. Comme quoi c'est possible. Allez, courage. Un, deuxième. C'est bien, voilà. Génial. Allez, courage. Allez, il nous reste un exercice, on a fini. Qu'est-ce qu'on va se faire pour le dernier? Qu'est-ce qu'on va se faire? Allez, on va se faire le pont. Vous êtes prêts? Ah. Allez, comme ceci, et là on y va. Paf. Et on serre. On fait pas semblant.
Allez. Putain, on va avoir des courbatures au cul demain. On va plus réussir à marcher. Fini! J'espère sincèrement que vous avez kiffé cet entraînement. Si vous voulez continuer à vous entraîner, dans la description, vous avez tous les e-books que j'ai créés. Pour prendre du poids, pour muscler vos abdos, perdre du poids, ou connaître d'autres entraînements à faire à la maison sans matériel. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur ma tête juste là, et regardez mon autre entraînement en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Oh,